Sur ce webinaire du mercredi, aujourd'hui consacré au chemin de Compostelle. Alors, je suis Laurence, je suis coordinatrice chez Spiritou. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Spiritou, si vous avez déjà voyagé avec Spiritou. Juste pour votre information, nous sommes une agence de voyage non conventionnelle basée à Montréal. Et depuis 15 ans, nous proposons aux Québécois des voyages de ressourcement, de mieux-être, ainsi que des pèlerinages. Et nous organisons tous les ans plusieurs voyages, plusieurs marches vers Compostelle. Alors, avec des dynamiques différentes, c'est la France, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, avec des thématiques religieuses, des thématiques de ressourcement. Alors, voilà, cela fait 15 ans qu'on aide à travers nos voyages à transformer votre vie. Alors, ce voyage-ci qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un voyage, donc une marche vers Compostelle, mais une marche un petit peu différente des autres, puisque c'est le chemin côtier franco-espagnol que nous allons emprunter jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce pèlerinage s'appelle Marcher avec son Dieu. Alors, c'est un voyage que nous proposons au mois de juin 2019, entre le 7 et le 26 juin. Alors, la très bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà confirmé puisque nous avons déjà un bon petit groupe de 13-14 personnes. Donc, il nous manque peu de personnes. Il y a très peu de places disponibles encore pour nous accompagner à ce voyage. Alors, on a la grande chance aujourd'hui d'avoir les deux accompagnateurs avec nous sur ce webinaire. Il s'agit... Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Apparemment, il y a des problèmes de son. Est-ce qu'on m'entend Oui, bien? il y a des gens qui ont écrit, Laurence, que il faut que tu parles un peu plus fort. Ah, donc je ne parle pas assez fort. Est-ce que ça va maintenant? On me fait un signe, oui. Alors, je disais que nous avons la chance d'avoir les deux accompagnateurs avec nous aujourd'hui, puisqu'il s'agit du père Guy Guindon, père Guy, qui est avec nous. Bonjour, père Guy. Bonjour. Notre accompagnateur spirituel sur ce voyage. Je vais bientôt vous laisser la place pour vous présenter. Et puis, notre deuxième accompagnateur, eh bien, c'est Léo Gilbert, qui a déjà une forte expérience en marche vers Compostelle. Alors, je ne sais pas si le petit souci technique avec Léo est résolu. Est-ce qu'on t'entend, Léo? Ah, bon, Léo, Est-ce le qu'on problème. m'a posé une question? Je m'attends tellement un Alors, peu. vous ne voyez pas Léo à l'écran, mais il est avec moi par téléphone, donc je vous transmets ses paroles. Bon, D'accord. on a un petit souci technique. C'est pas grave, on va quand même pouvoir présenter Compostelle sans problème. Alors, Père Guy, pour vous, qu'est-ce que c'est que faire son chemin vers Compostelle? Comment pourriez-vous définir ce voyage? Je dirais en quelques mots, c'est une aventure spirituelle pleine de découvertes. Découverte de soi, des autres, parce qu'on est en groupe, et aussi beaucoup de Dieu, mais ça se fait à travers différentes médiations. Autant ça se fait par les pieds, parce qu'on se déplace par le corps, et aussi par des moments de prière, observation de la nature, et aussi par les moments de prière qu'on va vivre ensemble. En visitant des églises, participant avec des paroisses auxquelles on va passer, et aussi des prières plus spontanées, peut-être une eucharistie sur un beau rocher, sur le bord de la plage, qu'on va vivre en famille. Donc, c'est une expérience à la fois familiale, ecclésiale, petit groupe, et aussi spirituelle. Et chacun a à découvrir comment Dieu va lui parler par différents moyens. Il y a toujours une dimension de nouveauté, c'est pas de l'improvisation, mais on dirait que la dimension spirituelle passe par différents canaux selon les charismes de chacun. Très bien, merci Père Guy. Et toi, Léo, si tu nous entends, tu peux nous parler. Peux-tu nous Enfin, évoquer ton je expérience? t'entends, Laurence. Oups, je n'entends Pardon? plus. À mon tour. Oui. Oui. Ben, je veux bien m'assurer d'abord qu'on m'entend. On t'entend très bien. C'est bon, on t'entend, Léo.
Ah, vous m'entendez. Merci, Elodie. Voici la question, une question complexe, une réponse très simple. Pourquoi faire le chemin de Compostelle? D'abord, la réponse appartient à chacune des personnes intéressées par l'expérience. Pour ma part, la première fois que je l'ai fait, je voulais tout simplement arrêter le temps. C'est une expérience assez complète parce que en arrêtant le temps, on est branché sur soi-même, ce qu'on pense, ce qu'on a vécu. C'est une expérience qui est à la fois humaine, spirituelle, sociale, linguistique, même à la limite un peu touristique parce qu'on visite, on ne visite pas vraiment comme un touriste, mais on passe dans des endroits qui nous sont inconnus. Alors, c'est cette façon d'arrêter le temps à travers les différentes étapes, je trouve que c'est une merveilleuse façon de reconnecter à soi-même. Puis, moi, je pense personnellement, puisque là, j'en serai à ma cinquième expérience sur le chemin, je pense personnellement que marcher nous permet tout simplement de réfléchir et même, moi, j'appelle ça aussi prier. Marcher, c'est une expérience qui est beaucoup plus que physique. C'est une expérience qui nous connecte au plus profond de soi. Donc, c'est aussi une expérience d'intériorité. Voilà ce que j'en pense et puis ce que j'aimerais partager avec les gens qui font partie de ce groupe. J'espère que Laurence m'entend mieux que je l'ai entendu. Oui, on t'entend bien. OK, parce que je n'ai pas eu beaucoup de contact avec Laurence jusqu'à maintenant, sinon par courriel. Je suis disposé à répondre à toutes sortes de questions concernant le projet du chemin 2019, puisque je l'ai révisé, retravaillé, réfléchi, puis beaucoup intégré. Il fait partie de moi. Merci, Léo. Voilà, c'est ça que je voulais justement dire, c'est que Léo a beaucoup travaillé sur cet itinéraire, l'a recomposé, l'a redynamisé pour apporter finalement un itinéraire qui est maintenant très beau, qui évite des longueurs. Parfois, nous écourtons par du train, par d'autobus, afin de privilégier les plus beaux sentiers jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est bien ça, Léo, hein? C'est ce que tu as voulu faire pour cette année. Très bien. Alors, l'itinéraire que l'on propose sur ce mois de juin, juin en plus c'est une belle période, il va faire doux, on n'exclut pas une petite pluie, hein. On est au mois de juin, on traverse les Asturies, la Galice, on est quand même dans des secteurs qui sont bien verts, qui sont bien verts, mais s'ils sont verts, il y a une raison, c'est qu'il pleut de temps en temps. Nous allons donc parcourir combien de kilomètres, Léo, nous parcourons au total sur ce circuit? Ben, c'est entre 350 et 375 environ, mais j'ai l'intention de le calculer plus précisément en regardant plus attentivement chacune des étapes. Mais on s'approche du 400, mais pas tout à fait. D'accord. Et il me semble qu'il y a quand même du relief un peu sur ce voyage. Oui, tu as parlé de climat tout à l'heure. Bien sûr, il va faire peut-être un peu plus chaud parce qu'on s'approche de l'été. Cependant, on est actuellement en altitude, donc on ne devrait pas connaître les grandes chaleurs. Bien sûr, il y aura de la pluie, on est tout près de la mer, c'est pour la majeure partie du parcours, on est près de la mer. Mais la pluie n'est pas vraiment un inconvénient. Et puis, c'est plutôt en descente et en montée, oui. Voilà. Donc, au niveau du relief, il faut s'attendre à du relief puisque nous sommes surtout sur la fin du parcours dans une zone quand même plus montagneuse. Mais la Galice est montagneuse, mais par contre, comme ça arrive à la fin, il y a l'effervescence qui joue un rôle très important. Donc, la dernière étape, on rejoint le Camino Francés à partir de midi. Il nous reste 3 jours ou 200 kilomètres. Oui, c'est montagneux, mais c'est pas aussi difficile sur le plan physique. Ça, c'est pas aussi difficile que ça peut l'être au début des différents parcours. Très bien, Léo. Alors, cet itinéraire, ce voyage se déroule sur 20 jours. Nous ne marchons pas 20 jours, bien entendu, puisque le jour 1, le jour 2... ce sont des jours où on ne marche pas, où
on vient jusqu'à Biarritz et puis on s'installe sur cette belle côte basque. Alors, je voulais vous préciser que nous partons le 7 juin sur des vols Air Transat et nous allons directement jusqu'à Bordeaux en France. De là, nous prendrons un train pour nous rendre à Biarritz, cette station balnéaire qui était chère notamment à la femme de Napoléon III, donc une station balnéaire assez bourgeoise, on va dire, et on aura l'après-midi à nous, ici à Biarritz, pour se préparer, puisque le lendemain, on reprend un train très peu de temps jusqu'à Hendaye pour entamer le début de la marche, mais un petit parcours hein, pour cette première journée qui est le dimanche. Alors, j'ai pu constater, Léo, que dans ton itinéraire, effectivement, il y a des journées, on va dire, de repos, entre guillemets, puisque je vois le jour 5, déjà, on est à Saint-Sébastien, on a une journée libre. Je vois que le jour 11, on est à Ribadeo, il y a également une journée libre. Donc, ça veut dire qu'on peut se reposer. Bon, entre nous, soit dit, on peut aussi laver son linge. Et puis, on a également une journée libre à Saint-Jacques-de-Compostelle, notamment pour assister à la messe des pèlerins. Mais je pense qu'avec le Père Guy, nous aurons l'occasion d'assister ou de célébrer nos propres messes durant le parcours, dans une petite chapelle notamment. Et puis, vous aurez enfin une dernière journée libre à Madrid pour profiter de cette capitale et visiter les musées, les parcs ou bien simplement profiter du centre-ville. Donc, un itinéraire qui est environ, Léo, de combien de kilomètres par jour? Une vingtaine, 25 kilomètres, un petit peu plus? Oui, ben, je dirais entre 25 et 30 par jour. Évidemment, c'est que, par exemple, le jour où on fait d'Arribia jusqu'à Saint-Sébastien, c'est un peu plus. Mais on va ensuite faire quelques trajets entre 15 et 20. Donc, entre 25 et 28 environ, c'est une moyenne assez correcte. Oui, et ça se fait très, très bien parce qu'on peut calculer 4 km par heure. Donc, ça veut dire que si on fait 28, ça veut dire que c'est entre 6 heures et 7 heures de marche, mais à pas rapide. Ça se fait, on fait une heure ou deux, et on fait 2 heures le matin, ça fait déjà 8 km, un autre petit bout. Alors, c'est surprenant comment, en marchant à rythme moyen, les distances qu'on parcourt. En fait, le nombre de kilomètres, c'est pas ce qui est le plus important comme facteur à considérer, c'est plus le temps. Parce qu'il y a des 20 kilomètres qui vont prendre 7 heures, puis il y a des 25 kilomètres qui vont prendre moins, qui vont prendre 5 heures environ. Tout dépend évidemment du trajet de ce jour-là, de l'altitude ou pas. Puis parfois, l'altitude, c'est assez escarpé, c'est assez... par exemple, quand on quitte la butte de San Juan, là, il y a un escalier qui est mémorable. On monte, ça c'est... Ici, vous voyez l'image, c'est Cudillero, c'est très montagneux de ce côté-là. Alors, même si on prend, même si on a moins de kilomètres, ça peut être plus long que des jours à 30 km, ce qui n'arrive pas très souvent d'ailleurs. D'accord, très bien. Excusez-moi, j'avais une question à vous poser. Bon, elle me reviendra plus tard. Je voulais parler, oui, c'est ça. Il faut que les gens comprennent que finalement, durant cet itinéraire, ils sont aussi quand même très libres. C'est-à-dire que c'est un voyage de groupe, certes, nous partons à 15 maximum, mais on n'est pas obligé d'être toujours en groupe aussi. J'aime bien parler d'une marche en accordéon parce que vous pouvez très bien avoir envie parfois d'être ensemble et puis parfois avoir envie d'être seul. Et je pense que cette marche permet tout à fait ça. C'est ça qui est important aussi, hein. De s'isoler si on a envie de s'isoler, de se rassembler si on a envie de se rassembler. On aura envie de tout ça durant le voyage, de toute façon. Voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Guy et Léo? Oui, moi je suis tout à fait d'accord, dans le sens que, comme je l'ai déjà fait à une reprise, il y a des moments où on va à deux, on discute, et d'autres moments, on
on va faire une heure ou deux heures de marche seul et c'est très libre. L'important, c'est qu'on se trouve, on part ensemble le matin et on se retrouve le soir. Mais entre les deux, il peut y avoir plusieurs possibilités. Et c'est ça qui est la beauté de cette expérience spirituelle. Il y a une dimension de liberté, mais en même temps, un cadre qui nous donne un itinéraire et qui nous permet de découvrir toutes sortes de belles choses. Ben, voilà, j'ajoute à ça que le Guy a très bien résumé l'esprit dans lequel on peut marcher, soit à deux, en groupe ou individuellement. Moi, ce que j'ai toujours dit, pensé, puis ce que j'ai vécu, c'est qu'il s'agit d'une expérience individuelle que l'on fait en groupe. Donc, il y a des... Quand le besoin de marcher seul, en silence, se manifeste, ça se voit assez naturellement. D'ailleurs, on peut s'entendre aussi là-dessus, à savoir, avec tel signe, je préfère être seul, et puis tout à coup, je rejoins quelqu'un. On n'a pas besoin de beaucoup de consignes, ça se fait bien, puis ça respecte le besoin de chacun de marcher ou bien, parce que c'est bien aussi à deux, éventuellement, pour... un petit peu ventilé sur tout ce qui s'est passé dans l'heure ou les deux heures précédentes. On s'entendra quand le groupe sera formé, on va s'entendre sur les signes qu'on peut se donner pour voir si on aime mieux marcher seul ou à plusieurs. Mais à plusieurs, c'est impossible parce que à deux maximum, le chemin ne nous permet pas de marcher à trois d'affilée, mais à deux ou seul ou... l'arrêt de groupe aussi, on peut prévoir d'avance un arrêt de groupe à tel endroit. Vous aurez toutes ces informations-là au départ le matin. Oui, et l'important, c'est que chacun va selon ce qui le rend qui est plus agréable pour lui. Et quelquefois, on peut être ensemble, mais en même temps avec une distance. Moi, quand je l'ai fait, on ne s'éloignait pas, j'étais avec une autre personne, on ne s'éloignait pas plus que 100 mètres, mais on était heureux d'être seul, mais en même temps, on avait comme la sécurité que l'autre n'était pas loin. Donc, ça l'ajoute une dimension à la fois très, très personnelle, puis en même temps, de dire, j'expérimente un chemin nouveau, mais je ne suis pas tout seul. Alors, ça permet d'être confortable. Je dirais que c'est à la fois une marche spirituelle et une marche de convivialité. Oui. Voilà. Au niveau logistique, au niveau hébergement, entre autres, je voulais préciser cette chose, c'est que vous êtes sur le chemin de Compostelle, sur un des chemins de Compostelle. Alors, c'est essentiellement de l'hébergement en refuge de pèlerins. Dans cet itinéraire, nous aurons uniquement 4 nuits qui sont en hôtellerie et le reste des nuits, les 14 nuits, sont en refuge pèlerin. Cela implique que ce sont des couchers dans des dortoirs. Alors, ce ne sont pas des dortoirs de 30 lits. Nous privilégions des petits dortoirs de 6 lits, 4 lits, 8 lits. Pour votre confort, mais je tiens à préciser que dans ces refuges pèlerins, la chambre individuelle n'est pas envisageable. Ce sont des chambres à partager en communauté, des dortoirs, des petits dortoirs en communauté. Dans notre itinéraire également, nous avons un nombre de repas prévus et un autre nombre de repas non prévus. Sur le chemin de Saint-Jacques, tout est bien organisé. Vous avez des petits déjeuners pèlerins, vous pouvez avoir des déjeuners pèlerins, dîners pèlerins à des prix très, très intéressants, peu dispendieux, pour 10, 12 euros. Vous avez des menus qui vous sont proposés et l'intérêt, c'est qu'on vous propose des repas assez, c'est très frugal en fait, des menus très sympas à des prix modiques. Tu confirmes, Léo, ce que je suis en train de dire? Oui, j'ai très bien compris. J'entends très bien Laurence, c'est parfait. Est-ce que je peux préciser que pour les petits déjeuners, ça tourne toujours autour de 5 euros, bien que, comme tu dis, c'est assez simple. Et pour les dîners, c'est-à-dire les repas du soir, c'est plus ou moins une douzaine d'euros quand on a le repas du pèlerin.
Et puis pour le midi, ben chacun on s'entend là au départ avec des collations ou des arrêts, des arrêts pique-niques, par exemple un sandwich dans un café sur la route, par exemple. Ça c'est facilement entre 5 et 10, on trouve facilement. Il faut éviter d'avoir dans son sac beaucoup de nourriture d'avance, des réserves, parce que ça finit par nous peser. Et puis le poids, c'est quelque chose de très important quand on marche avec son sac. Oui, je suis d'accord avec Léo. Laisse-moi sur l'expérience. On prenait le dîner, un sandwich, des fois un morceau de pain, saucisson, des fois des beaux produits locaux, simples, des fois pique-nique. Et le soir, bon, le repas du pèlerin, c'était agréable de se retrouver ensemble pour échanger sur la journée, faire le point. Ben, pour ceux qui le veulent, évidemment. Oui, bien entendu. Alors, je voulais dire que ce voyage, comme on l'a dit, était confirmé puisque nous sommes déjà, il y a 13 personnes qui ont réservé ce voyage. Donc, on est heureux de confirmer et de vous dire que oui, vous partez en pèlerinage à Compostelle. Il nous reste 2 places disponibles sur ce parcours. Ce voyage qui aujourd'hui est vendu à 3 499 $. Alors, dans ce tarif de 3 499 $, vous avez bien entendu vos vols Air Transat, des vols directs sur Bordeaux, retour par Madrid, qui vous sont réservés. Vous avez donc, comme je l'ai dit, 4 nuits en hôtel 3 étoiles et les 14 nuits en refuge de pèlerins. Vous avez 3 petits déjeuners, je dirais même 4 petits déjeuners compris, un souper à Biarritz et le souper d'adieu à Madrid. Vous avez bien sûr la présence de Léo, qui connaît très bien le chemin, la présence de Père Guy, qui sera là aussi pour animer de façon spirituelle cet itinéraire, et puis vos transferts en train, les autobus, le taxi, etc. Donc en fait, ce qui reste à votre charge, ce sont tous les repas que je n'ai pas mentionnés, c'est également votre assurance de voyage, c'est également des pourboires éventuels et vos dépenses personnelles qui ne sont pas bien sûr incluses. Alors pour une fois que vous êtes inscrit à ce voyage, pour s'inscrire c'est facile, on remplit le formulaire de réservation, on envoie également à $500 à l'agence Spirit Tour pour vous inscrire définitivement. Et puis ce qui est intéressant à signaler, c'est que Léo et Père Guy, il va y avoir une rencontre, est-ce qu'on peut me parler un petit peu de cette rencontre pour que le groupe puisse se rencontrer, échanger, se connaître, et puis pour aussi que Léo explique un petit peu la façon dont on marche, comment on installe son sac à dos, les parties un petit peu techniques. Tu peux nous parler de cette rencontre, Léo, s'il te plaît? Bien sûr. Voici le 27, c'est déjà prévu. Le 27 avril, c'est-à-dire le dernier samedi d'avril, on se retrouve à faire une journée de marche au Mont-Saint-Bruno. Alors, plus ou moins au milieu de l'avant-midi, vous aurez les détails éventuellement pour les participants. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on fait cette journée-là, quelle que soit la température du jour. Il peut faire très beau, comme il peut avoir une journée de pluie, on ne sait pas, mais on fait comme si on était sur le chemin. Donc, c'est plus ou moins une répétition générale. Et puis, on mange ensemble et pendant le repas, chacun amène son repas, son lunch. Pendant le repas, on va aborder toutes les questions logistiques qui peuvent être encore intéressantes à connaître de la part des futurs pèlerins et pèlerines. Et puis, voilà, on fait aussi... encore 2 à 3 heures de marche encore l'après-midi, puis on termine vers 15h30, 16h. Voilà pour cette journée que moi, personnellement, je trouve très importante pour tous ceux qui peuvent se joindre au groupe, parce que c'est un premier contact, et puis j'estime que la préparation pré-départ est importante. Là. Bien sûr, tout le monde ne pourrait pas être là parce qu'il y en a pour qui la distance est trop importante. Là. Par exemple, du Nouveau-Brunswick, bon, alors... Mais pour les personnes qui peuvent se joindre à nous, bien que c'est souhaitable, on va transmettre les informations pertinentes après coup.
Et puis, je ne sais pas si c'est le moment de dire qu'on a aussi rendez-vous à l'agence le 10 mai, en fin d'après-midi, pour la remise des papiers. Là, je ne sais pas si le public a bien entendu. Personnellement, je n'ai pas compris ce que tu as dit, Léo. Qu'est-ce qu'il y a le 10 mai? Le 10 mai, c'est la rencontre pré-départ à nos locaux pour la remise de tous les documents de voyage. Ah, oui, effectivement. Donc, toujours, on fait une rencontre pré-départ à l'agence Spiritour à Montréal. Et puis là, vous avez de nouveau rencontré Léo. Le père Guy sera présent également et on répond une dernière fois à toutes vos petites questions de dernière minute pour bien préparer votre sac à dos, pour parler logistique et puis voilà, répondre à vos attentes. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Élodie, qui ont été, bien entendu, durant ce webinaire, on pouvait poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a eu des questions auxquelles on pourrait apporter une réponse à tous? Sinon, est-ce que le père Guy ou Léo veulent ajouter quelque chose à ce que nous avons déjà évoqué? Une chose qui est intéressante, il y a un beau livre qui a été fait par Ansel Grum, par des monts et par des veaux, sur la spiritualité de la marche. Vraiment beau volume, c'est disponible chez Novalis, très intéressant. Où il y a toute une dimension de préparation spirituelle. C'est parce que Ansel Grum est un moine bénédictin qui fait beaucoup de randonnées pédestres avec un peu style Compostelle et a écrit quelque chose de très bien fait sur préparation spirituelle. Qu'est-ce qu'on vit dans une expérience de marche au niveau spirituel? Je sais qu'il y a des gens qui veulent voir, c'est magnifique. Très bien, merci. Ce que Guy vient de dire, merci Guy, c'est une excellente façon de se préparer spirituellement. On se prépare aussi physiquement et mentalement, bien sûr, mais la préparation spirituelle, puisqu'on est du côté aux sources de la foi, la préparation spirituelle peut déjà commencer, bien sûr. Je peux vous dire aussi que ici, moi je suis en Mauricie, du côté de Trois-Rivières, et puis on est 5 personnes et on a déjà commencé, on a des rencontres de marche et de préparation autant physique que spirituelle. Alors nous, on a déjà un peu d'avance de prise sur le projet, mais je souhaite vraiment rencontrer les participants le 27 avril, parce que pour ma part, l'énergie est déjà communicative dès qu'on se rencontre. Puis, c'est vraiment dans la préparation ou dans la rencontre du groupe qu'on va trouver les dernières motivations plus à partir ensemble en pèlerinage. Puis Léo, on a une question de Diane qui voulait que tu nous parles à propos de la température, de comment on marche, s'il pleut, s'il fait chaud, vous marchez, quel que soit le temps et quels sont tes conseils? Oui, en effet, il faut marcher quel que soit le temps, mais les inconvénients nous paraissent toujours plus embêtants ou plus difficiles quand on n'est pas sur le chemin, quand elles sont théoriques. Par exemple, des personnes se disent « qu'est-ce qu'on fait si le matin, au départ, il pleut? » Bien, c'est ça. Théoriquement, ça paraît un peu contraignant. Mais quand on est sur place, qu'on est vraiment dans l'esprit du chemin, il n'y a aucun inconvénient de température qui nous empêche de partir, de se mettre en chemin. Et on trouve toujours les solutions nécessaires, les solutions au fur et à mesure. Puis, on est très aidants les uns pour les autres à ce niveau-là, que ce soit par l'encouragement ou éventuellement par le prêt d'équipement ou les conseils au niveau de l'équipement. Alors, les questions qu'on pourrait se poser concernant la température, elles vont facilement se dissiper quand on sera en route. Bien sûr, on peut avoir autant de la chaleur que de la fraîche. Le matin, c'est souvent frais. On va avoir vite chaud, donc on va enlever un pull ou un anorak, mais finalement, on s'arrange très bien avec ça. Il faut juste éviter de quand on a trop chaud, de trop enlever, parce que l'air, quand même, l'air des montagnes, à la limite, peut nous amener à avoir froid. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de Diane. Je pense que oui, elle va nous faire signe si ce n'est pas le cas. Merci Léo. Bien, moi, je pense qu'il est temps
de conclure ce webinaire. En tout cas, je remercie beaucoup le Père Guy pour sa disponibilité, pour Léo également, pour avoir répondu à toutes nos questions. Alors, sachez que chez Spiritour, on reste à votre disposition si vous voulez davantage de renseignements, si vous n'avez pas, si vous voulez compléter encore cette information. Moi, je suis Laurence, donc je suis la personne référente pour ce voyage. Alors, on peut me joindre au 514-374-7965. Ou bien encore, on peut m'envoyer un petit courriel à laurence@spiritour.com. Si éventuellement il y avait une question à laquelle je ne savais pas répondre, qui soit trop technique, alors à ce moment-là, je vous référerai à Léo pour qu'il puisse répondre à cette question. Alors, je vois que Diane a laissé une petite question et elle demandait au Père Guy de lui redonner les références du livre qu'il avait mentionné. Oui, alors c'est... Je vais essayer de me rassurer. C'est Ansel Grum, A-N-S-E-L-M. Grum, c'est G-R-U-M. Par démon et par dévot. Par démon, et montagne, M-O-N-T-S. Et par dévot, c'est V-A-U-X, je pense. C'est une expression française, veut dire les collines. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Très bien, merci Père Guy, merci Léo, merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à cette heure-ci. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis je vous retrouve au téléphone si vous avez besoin d'autres informations. Voilà, bonne après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, salutations Laurence et Elodie. Au plaisir de poursuivre ce beau projet de préparation de pèlerinage. Merci Léo.